Notre-Dame est en flamme sous nos regards stupéfaits. Quelle que soit notre croyance, quelle que soit notre religion, tous les hommes à travers le monde ont ressenti la même sensation, comme si la même corde avait été touchée. Mais comment aurait-il pu, mes frères, en être autrement, puisque nous sommes tous issus du même Père? Dans chacun de nos cœurs, avant notre voyage sur la terre, Dieu y a gravé son indélébile attachement. Ainsi, face à ce désastre, chacun la même consternation. Devant pleurer des dégâts, chacun la même tristesse. Mais au-delà du sinistre subi par cette forteresse, dans chacun l'étincelle d'une appréhension. Est-il vraiment nécessaire, mes très chers frères, de vous rappeler que Notre-Dame est une des maisons du Christ sur la terre, qu'il y est vraiment présent, toujours accompagné par sa mère, mais en l'espèce un puissant symbole de la chrétienté. Jusqu'où faudra-t-il que l'on aille pour ouvrir les yeux, je vous le demande? Faudra-t-il que vous soyez en haillons, que vous creviez de faim pour comprendre enfin que l'homme ne peut vivre sans Dieu, sans prendre le risque de se détruire lui-même? Et c'est bien ce qui est en train de se passer. Prenez bien au sérieux les flammes de Notre-Dame, car elles annoncent l'imminence des tribulations terribles que va connaître la France, annoncées par les prophètes. Il est trop tard maintenant pour stopper le processus, mais on peut le rendre plus doux. Écoutez Notre-Dame, revenez à Jésus. Aveugle pour ne pas avoir de signe dans cette destruction. Chacun y va de son opinion, chacun de son ressenti. Quelqu'un m'a dit que par ses flammes, c'est ainsi que Dieu agit pour infliger aux hommes une punition. Mais moi, je vous le dis, sur terre, Dieu ne punit pas les hommes. Les calamités qui s'abattent ne sont donc que le fruit de la mauvaise conduite de l'homme qui retombe sur lui. Il reçoit la monnaie de sa pièce en somme. Moi, je vous le dis, deux signes sont à lire dans ces flammes. Le premier n'est rien d'autre qu'un sérieux avertissement. La France, fille aînée de l'Église, par sa conduite a perdu son rang. Elle a chassé Jésus et voté des lois infâmes. Le temps n'est plus à la fête, il est temps d'honorer à nouveau Jésus. Il est temps de revenir à lui et de faire pénitence. Car dans le second signe apparaît clairement la sentence qu'une autre protection céleste, Notre-Dame, a disparu. Jusqu'où faudra-t-il que l'on aille pour ouvrir les yeux, je vous le demande? Faudra-t-il que vous soyez en haillons, que vous creviez de faim pour comprendre enfin que l'homme ne peut vivre sans Dieu, sans prendre le risque de se détruire lui-même? Mais c'est bien ce qui est en train de se passer. Prenez bien au sérieux les flammes de Notre-Dame, car elles annoncent l'imminence des tribulations terribles que va connaître la France, annoncées par les prophètes. Il est trop tard maintenant pour stopper le processus, mais on peut le rendre plus doux. Écoutez Notre-Dame et revenez à Jésus. Yo.